Identifier la présence d'homonymes dans une base de données est souvent un enjeu. C'est normalement par une clé primaire qu'on les différencie. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il s'agit de les débusquer, et nous allons le voir, c'est une formule matricielle, encore une fois, qui permet de résoudre le cas lorsqu'elle est utilisée dans une règle de mise en forme conditionnelle. Pour démontrer la solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur offrant un tableau constitué de certaines de ses répétitions. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons effectivement un petit tableau constitué de trois colonnes. Les noms et prénoms sont inscrits respectivement en colonne C et en colonne D. Et en y regardant de plus près, nous constatons que certains homonymes existent, comme c'est le cas par exemple pour Vire Sacha. Pour bien comprendre le raisonnement que nous allons mettre en place, nous proposons de bâtir tout d'abord la syntaxe de la règle de mise en forme à construire dans les cellules de la colonne F. Vous le savez, la fonction matricielle SUMPROD est initialement prévue pour additionner les multiplications des lignes respectives des matrices confrontées. Dans un emploi dérivé, comme nous l'avons déjà fait à maintes reprises, elle permet d'évaluer des matrices conditionnelles. Il est question de trouver la répétition du nom en colonne C, donc dans celle-ci, et la répétition du prénom pour le même nom en colonne D. Chaque correspondance répondra par un indicateur booléen. En les multipliant et additionnés naturellement, par la fonction SUMPROD, eh bien, nous connaîtrons la quantité exacte d'homonymes s'ils existent. Pour débuter donc, je vous invite tout d'abord à cliquer sur la cellule F5 pour la sélectionner, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle, et là de taper le nom de la fonction matricielle que nous évoquions, suivi d'une parenthèse ouvrante, donc SUMPROD. Et à gauche de la barre de formule, tout de suite, nous allons cliquer sur le petit bouton de l'assistant fonction. De cette manière, nous affichons l'assistant pour la fonction SUMPROD. Il va livrer des résultats intermédiaires au fil de la construction qui vont nous aider à comprendre le mécanisme pour débusquer ces homonymes. La zone matrice 1 est active par défaut, nous allons pouvoir l'implémenter. Tout d'abord, je vous propose d'ouvrir une parenthèse, tout simplement pour accueillir la première matrice conditionnelle. Et là, nous allons désigner tous les noms en sélectionnant la plage qui débute à partir de la cellule C5 et qui s'étend, dans ce cas, jusqu'à la cellule C19. Et dans l'enchaînement, je vous invite à enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer totalement. En effet, nous allons répliquer cette formule sur les lignes du dessous, F6, F7, F8, etc. Et malgré ce déplacement, les bornes de la matrice pour la comparaison ne doivent pas varier. Dès lors, nous pouvons taper le symbole égal pour annoncer le critère à honorer, puis nous cliquons sur le premier des noms, c'est-à-dire la cellule C5. Cette fois, nous ne la figeons pas, cette cellule. Avec la réplication, ce sont bien tous les noms suivants qui devront être trouvés dans cette matrice aux bornes fixes. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle, et comme vous pouvez le voir, l'assistant répond aussitôt par une matrice de valeur booléenne sur la droite de la zone matrice 1. Chaque indicateur vrai, comme ici, ou encore ici, repère la position d'une concordance dans la matrice des noms avec celui qui est en cours d'analyse, en l'occurrence ici le premier. Mais nous l'avons dit, nous avons besoin de travailler sur des chiffres pour que la fonction SUMPROD puisse les additionner à l'issue. Pour cela, nous pouvons forcer la conversion par une simple multiplication, ce que nous faisons étoile 1 pour multiplier par le chiffre 1. Et cette fois, c'est bien une matrice de chiffres que nous obtenons à la place des indicateurs booléens 1 pour vrai, 0 pour faux. Nous devons maintenant établir la correspondance conjointe sur la colonne des prénoms. La technique est identique. Tout d'abord, nous cliquons dans la zone matrice 2 pour l'activer. Nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle. Cette fois, nous désignons tous les prénoms. Donc, il s'agit de la plage de cellules qui va de la case D5 à la case D19. Comme précédemment, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer intégralement. Nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer. Et nous engageons la comparaison, puisqu'il s'agit d'une analyse chronologique avec le premier des prénoms en cliquant sur sa cellule D5. Nous fermons la parenthèse de la matrice conditionnelle et nous multiplions ce résultat par 1 pour forcer la conversion numérique. Et comme vous pouvez le voir, l'assistant fonction réagit de nouveau instantanément. Il repère aussi les positions des prénoms trouvés.
Et lorsque ces emplacements correspondent à ceux des noms, la multiplication du chiffre 1 par 1 identifie bien un homonyme. Tous ces chiffres additionnés à l'issue livrent le décompte de tous les homonymes dans un tableau. Et c'est bien ce qu'indique le résultat en bas à droite de la boîte de dialogue. Sur cette paire, deux homonymes sont trouvés. Vous l'avez compris, le même prénom peut être trouvé à de multiples reprises, mais tant qu'il ne correspond pas à l'association cherchée avec le nom, la multiplication du chiffre 1 par 0 conduit à un résultat nul et la paire est ignorée. Pour résumer, les correspondances des paires sont vérifiées ligne à ligne. Il est important de comprendre que les fonctions nb.si et nb.si.ens auraient été inopérantes dans ce cas. Elles dénombrent toutes les informations trouvées indépendamment sans respecter l'association des paires, d'où l'importance de cette technique matricielle. Dès lors, je vous invite à cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour valider la formule et ensuite, eh bien, nous allons cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'en ligne 19 et nous obtenons une série de chiffres. À chaque fois que la quantité d'une unité est dépassée, comme ici ou encore ici et ici, ce sont des homonymes qui sont repérés. D'ailleurs, et pour preuve, Vir Sacha, c'est bien le cas, et Moltan Gérard, on va le trouver un peu plus bas, comme vous pouvez le voir. Mais, à ce stade, bien sûr, si vous remplacez un prénom par un autre existant déjà, sans établir la correspondance, voyez-vous, ici, nous allons prélever le prénom Gérard pour le positionner à la place du prénom Mehdi, constater que les indicateurs ne bronchent pas. En revanche, eh bien, si vous dupliquez une paire, ce que nous allons faire ici, constatez que instantanément les indicateurs réagissent, notamment pour informer qu'il y a trois fois eh bien, l'homonyme sur la paire Gérard-Moltan. C'est donc cette syntaxe que nous allons maintenant exploiter dans une règle de mise en forme conditionnelle. Mais nous le verrons et nous le comprendrons. Deux ajustements sont à opérer avec les références absolues. Tout d'abord, je vous invite à cliquer de nouveau sur la cellule F5 pour la sélectionner. Et dans la barre de formule, nous allons prélever l'intégralité de la syntaxe que nous copions avec le raccourci clavier CTRL-C. Et là, nous sortons de la barre de formule avec la touche échappe pour ne pas risquer d'endommager la syntaxe. Dès lors, il s'agit de sélectionner l'intégralité du tableau de la cellule B5 à la cellule D19. Dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. Dans les propositions, nous allons choisir l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le type utiliser une formule pour, etc., etc. Nous pouvons maintenant cliquer dans la zone du dessous pour eh bien, l'activer. Et c'est là que je vous invite à coller la syntaxe, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-V. Contrairement à précédemment, c'est l'intégralité du tableau qui est désignée pour l'analyse de la règle. Les correspondances doivent être cherchées sur toutes les lignes, certes, mais uniquement dans les colonnes respectives C et D. C'est la raison pour laquelle les cellules du nom et du prénom doivent être figées en colonne. Il est donc question d'ajouter un dollar devant le C de la cellule C5, ce que nous faisons ici, directement au clavier, mais aussi un dollar devant le D de la cellule D5 pour la seconde comparaison. Enfin, il est aussi question d'ajouter un critère pour déclencher la mise en forme de la règle, ce que nous faisons juste après avec l'inégalité supérieure à 1. En effet, un homonyme est considéré comme tel dans la mesure où il est trouvé au moins deux fois. Dès lors, eh bien, pour déclencher la mise en forme lorsqu'ils sont repérés, ces homonymes, nous cliquons sur le bouton format en bas à droite de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, nous activons l'onglet remplissage. Dans la palette de couleurs, je vous propose de choisir un orange pâle, c'est une suggestion. Nous activons ensuite l'onglet police pour pouvoir choisir eh bien, un orange foncé de manière à ce que le texte ressorte suffisamment sur un fond qui est à peu près de la même couleur. Nous validons par le bouton OK pour revenir sur la première boîte de dialogue. Et là, ma foi, nous validons la création de la règle en cliquant sur le bouton OK de cette première boîte de dialogue. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les lignes des homonymes ressortent instantanément en couleur pour un repérage visuel sans équivoque. Si vous créez de nouvelles paires identiques, elles vont s'éliminer aussitôt, ce que nous pouvons vérifier ici, voyez-vous, en reproduisant la paire Vir-Sacha à la place d'une autre, une fois encore. Si vous reproduisez un prénom indépendamment du nom ou un nom indépendamment du prénom, eh bien la mise en forme ne réagira pas.
Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel par technique matricielle dans une règle de mise en forme conditionnelle qui permet d'identifier tous les homonymes dans un tableau. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombash.fr. Je vous remercie.